parle pas fort parce que ça tourne. Alors, comment je suis arrivée sur ce tournage? Comment je suis arrivée sur ce tournage? C'est assez étonnant parce que... J'ai reçu un message sur Facebook de Charlie Dupont pour savoir si je voulais participer à un projet qui ne verrait peut-être jamais le jour. Alors, comment je... C'est très simple. Pour réussir dans ce métier, il faut coucher. Donc, j'ai couché. J'ai couché avec le producteur, j'ai pas eu le choix. Comment je suis arrivée sur ce tournage? Moi, c'est assez marrant parce que... Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'était mon mari. Donc, c'était plus facile, évidemment. C'était pas du tout pour moi, ce film. C'était pas du tout prévu pour moi. Déjà, je crois que l'histoire du film est assez étonnante. Mais moi, en tout cas, j'avais un dîner. Sans rire, ça fait pas mal de temps qu'on porte ce projet et qu'on avait très envie de voir cette histoire à l'écran. Donc, c'est un petit miracle que ce film ait lieu. Avec un pote. C'était un jour où mon téléphone n'affichait pas d'écran. Enfin, j'avais pas de nom, de prénom, ni rien. Donc, je savais pas qui m'appelait. Donc, j'étais obligé de répondre tout le temps au téléphone, ce que je fais rarement. Et le même jour, j'ai reçu un texto d'un réalisateur, d'un copain qui avait donné mon nom à un réalisateur. Et il s'avère que c'est pour le même projet. Mon téléphone sonne, c'est vide. Je dis à mon pote, mais je suis obligé de répondre, quoi. Donc, je réponds. Et j'ai Charlie Dupont, le célèbre Charlie Dupont, qui me dit « Tu fais quoi là ?» Je dis « Bah là, rien, je suis en train de déjeuner, rien. » Il dit « Bon, mais je comprends pas, t'es en retard à la lecture. » Lecture de quoi ?» Voilà, et je suis allée à une lecture. Bah là, il y avait une lecture à 14h, donc t'es en retard, il est 14h30. Donc voilà comment je suis arrivé sur ce film. Je suis allé à la lecture, j'ai fait de la lecture, ça s'est plutôt pas mal passé. Que des copains, mais vraiment pas copains d'ailleurs, que des amis. Charlie, Tania, Garmarski, Arthur Junior, Philippe Dajou, que des amis. Avec en plus autour de nous que des gens qu'on aime. On fait la lecture et ça se passe plutôt pas mal. Et voilà, Philippe dit on y va, on fonce, on va faire le film. Des acteurs qu'on avait déjà eu l'occasion de croiser, comme Olivier Sitruc, avec qui j'ai eu ma première expérience télévisée. Le premier rôle que j'ai joué à l'écran, c'était La Veuve de l'Architecte, un téléfilm. Avec Olivier Sitruc qui jouait mon amoureux. Donc j'étais très contente de le retrouver. Élodie Franck qui est une amie aussi. Arthur Junior avec qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler. Et Philippe Dajou, un réalisateur absolument extraordinaire. Je dois avouer, et je le dis aussi pour Arthur Junior avec qui je suis parti au ski 2 jours plus tard, que sur le télésiège avec Arthur Junior, on se disait, il ne sera jamais ce film. Hein. Bon, on est d'accord, il ne sera jamais. C'est un petit miracle. Voilà. Donc on a été assez surpris quand ils nous ont appelés pour nous dire que ça débutait. Et voilà comment j'ai débarqué sur ce film. Et c'était formidable.